Chaque année, aux alentours du 15 février, le bois du Striou à Enghien est un lieu de passage pour les batraciens qui viennent rejoindre l'étang où ils sont nés pour se reproduire. Le problème, c'est que pour rejoindre cet étang, les batraciens doivent traverser la route, une traversée qui s'annonce périlleuse. Ils se font très souvent écraser et encore le plus souvent, en fait, ils se font souvent aspirer par le déplacement d'air des voitures et donc ils viennent juste faire écraser sous les soubassements. Donc les gens en général roulent et se disent voilà, moi je les évite donc j'en écrase pas. Mais si on roule à plus de 30 km/h, ils sont quand même aspirés et finissent quand même par mourir. Pour éviter cette funeste fin, le groupe Environnement, Nature et Transition essaie d'empêcher les batraciens de traverser sur la route et de les inciter à plutôt traverser dessous. On va rétablir les bâches qui sont le long des voiries. Les mâches servent à faire barrage aux batraciens pour pas qu'ils traversent, mais qu'ils empruntent plutôt les crapauducs. Les crapauducs ont été installés lors de la restauration de la voirie ici. Grâce à deux crapauducs, les crapauds mais aussi les grenouilles et les tritons pourront rejoindre l'étang en toute sécurité. Et ce n'est pas anodin car le bois du Striou est un lieu important de migration.